Regardez-moi ça. Trop cool. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Avatar World. Vous avez vu, on n'a pas quitté notre maison depuis tout à l'heure. On fait que de danser avec les jumelles. Mais je crois que les filles, là, il faut arrêter de danser. Il y a des tâches à faire sur Avatar World. Les filles, vous m'entendez? Les filles! Ok, je crois qu'elles aiment trop leur nouvelle danse. Nous, vous savez quoi? On va prendre le téléphone et j'ai plein de nouvelles à vous donner parce que nous avons en fait un nouveau code promo. Désolée si je parle avec le nez, c'est parce que je suis malade, enrhumée. Mais je continue à filmer, les amis. Donc, désolée pour ce petit inconfort. Ok, les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Je pense que vous le savez, Avatar World nous a en fait donné des nouveaux codes promo depuis l'événement d'Halloween. Nous avons en fait plein de codes promo. Par exemple, le nouveau code promo Halloween était Fairy Dust pour avoir cette tenue de fée. Ensuite, nous avons un nouveau costume kawaii. Ensuite, nous avons eu deux petits costumes d'Halloween pour les bébés. Il s'agissait en fait de taper le code Tiny Boo pour avoir ces deux tenues. Ensuite, nous avons eu la mise à jour avec plein de tâches à faire, plein de mini-jeux. Et la dernière nouveauté, il s'agit en fait d'un nouveau costume Halloween et je l'aime trop parce qu'il est dans le thème de léopard. Il faut en fait taper Léo pur pour avoir cette tenue. Vous savez quoi? On va essayer de l'avoir ensemble. J'adore le maquillage, j'ai envie de tester cette tenue. Let's go les amis, vous êtes prêts? J'espère que vous avez eu votre tenue Léo pur. Léo pur, voilà. Eh bien, écoutez, vous savez quoi, les jumelles, on va les laisser danser. Je vais poser mon téléphone ici, comme d'habitude. Oh, il y a un gâteau. Je le mange. Je peux le manger, oui. Alors, c'est parti. Tapons tout de suite le code promo Léo Pur. Il faut aller ici et il faut taper le code promo. Heureusement que les codes promo sont en fait gratuits. Alors voilà, ça y est, je l'ai bien tapé. Alors c'est encore comme la boîte d'Halloween. Encore une fois, elle se trouve ici. Je vais du coup sortir mon personnage. Je crois que je vais l'ouvrir avec les filles. Oh oui, c'est parti, let's go. Voilà donc notre maison. Et vous avez vu mes pets, ils sont tous dans le thème Halloween. Ouais. Eux, ils fêtent bien Halloween. Regardez-moi ça, ils sont juste tous trop mignons. Alors, les filles, j'ai pas encore fait ma déco d'Halloween. Oh là là. Alors, les filles, ça y est, vous êtes prêtes? Parce que moi, c'est bon, je suis prête. Les filles, arrêtez de danser. Ok, ça y est, elles ont arrêté de danser. On va ouvrir ceci. Qu'avons-nous? Nous avons un panier en forme de léopard pour demander des bonbons. Des bonbons, attention. Hop, elle a reçu des choses. Oh. Attends, des craies? Ça se mange ça? C'est des bonbons ça? Ah, ok. Attendez, elle va redemander des bonbons. Ah ouais, on lui donne quand même pas mal de choses. Hein. Ensuite, nous avons le maquillage. Ça, c'est Rose. Elle adore les maquillages et regardez ce que ça fait. Rose pleure, on veut voir tes yeux fermés. Ça fait ça, c'est juste trop beau. Merci beaucoup Rose. J'adore le maquillage, je crois que je vais le porter aussi. Voilà. Toi aussi, tu vas le porter, Mia. Ah, mais ça va trop bien, Mia aussi. Ok, ensuite, ici... Oh, vous avez le serre-tête. Je crois que ça irait bien à Mia, ça, non? Regardez. Ah ouais, mais pour se maquiller et tout, ça peut passer aussi. Ah, j'adore. Ensuite, vous avez la queue. Allez, Rose, ça, c'est pour toi. Ensuite, vous avez la tenue. Ça fait ça. Ensuite, les chaussures. Hop. En gros, c'est ça le look. Attends, Mia. Ok, nous sommes ici. Voilà donc le look final. Voilà donc Rose en léopard. Et je trouve que c'est pas mal. J'aime trop cette tenue. Ok, les amis, c'est pas tout. La nouveauté, vous savez, c'est la mise à jour. Vous étiez très déçus de cette mise à jour. C'est en fait faire pas mal de tâches pour débloquer les tenues. Les tenues que porte cette jeune fille. Je crois que c'est à peu près pareil. Oui. Et là, il faut débloquer le haut. Pour ça, il faut en fait refaire les tâches. D'accord, ça je peux parce que on était en train de danser lorsqu'on a commencé la vidéo.
Donc du coup, ça c'est bon, faire toutes les danses, et il nous reste ces tâches. Il y a des choses qui sont nouvelles. Du coup, c'est parti, il faut reporter la tenue de sport. Alors, côté disco, hop, de ce côté, il faut en fait reporter cette tenue. Maria, la maman de Roméo, cette femme est sportive. Bon, même si elle est enceinte, vous allez voir, elle va faire des choses pas mal. Hop, je prends ces 15, les barres, la kettlebell et danser. Et je danse. Je crois que je dois faire toutes les danses. Plutôt, Maria, la maman de Roméo, doit faire toutes les danses. Ok. Attention, oublions pas qu'elle est enceinte. Voilà, mais ça ne lui empêche pas de faire du sport. Allez, allez. Je crois que je vais faire du shopping avec la maman de Roméo. Alors, cette fois, c'est quoi? Ça y est, il nous reste une dernière danse. Je pense que c'est celle-ci. Allez, c'est parti. Oui, ok. Ensuite, c'est cette barre. Hop, il faut s'étirer. C'est important de s'étirer. Ensuite, on continue. Ça prend du temps, les étirements. Et pour finir, ça y est, wouh! Et on a fait tout ça, il manque l'exercice de la kettlebell. Et ça, je crois que tu vas trouver dans le terrain de foot de l'école. Ok, on se retrouve ici. J'avais vu une kettlebell. Ok, elle est là. Hop, je sors du coup la maman de Roméo. Elle est où? Voilà, et tu vas faire les exercices de la kettlebell. Ok, ça y est. Ensuite, la pauvre, elle est en train de faire ça alors qu'elle est enceinte. Je vais juste lui dire de faire attention. Alors, ça y est. Allez, ça c'est facile ou pas? Waouh, on savait que tu étais très très forte. Alors là, je peux débloquer tout ça. Voilà, on a fait tout ceci. Et je peux demander le haut. Vous avez vu le haut qu'elle porte? Je peux du coup l'avoir, il faut demander. Et tada! Un nouveau cadeau! Le haut, qui va porter ce haut? Mia, je crois. Ouais, tu peux. Voilà. Et du coup, c'est pas juste ça, on a aussi débloqué les nouvelles danses. Ça, c'est les trois anciennes danses. Et voici donc les nouvelles danses. J'aime trop. Waouh! Eh ben dis donc, tu en as de l'énergie, Mia. Alors du coup, tout le monde peut faire cette danse. Voilà donc les trois dernières danses. Hop, ah bah oui, moi aussi en fait, j'ai de l'énergie. Regardez-moi ça. Trop cool. En tout cas les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, je vous embrasse tous très fort et à tout à l'heure pour un roleplay sur Miss Queen. Gros bisous à tous. Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici. Voilà. Si toi aussi tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo.